Bonsoir et bienvenue sur Provision pour notre émission « Et si on en parlait ?» Pourquoi suis-je sur la Terre? Quel est mon appel? À quoi suis-je prédestinée? Sont autant de questions que plusieurs se posent. Beaucoup vivent sans savoir quelle est leur mission sur la Terre. Pourtant, la Bible a tenté d'apporter un élément de réponse en disant que Dieu a tracé un chemin pour chacun de nous bien avant le commencement. C'est ce que nous rappelle Jérémie 1:5 qui dit ceci: « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » C'est un besoin auquel la société a répondu par la profession de conseiller d'orientation. Car on a remarqué que plusieurs ont du mal à s'orienter et à donner un sens ou un chemin à leur vie. Ce soir, pour répondre aux questions énoncées précédemment, nous avons avec nous non pas un conseiller d'orientation, mais le pasteur Jélil Dorégo. Bienvenue, pasteur. Merci, Karen. Bonsoir. C'est un plaisir de vous accueillir sur notre plateau. Le plaisir est partagé. Je crois que nos téléspectateurs aussi sont heureux de vous avoir avec nous parce que vous allez apporter des lumières à des questions que plusieurs se posent. Je voulais justement vous demander, dans le cadre de votre pastorat, avez-vous déjà rencontré des personnes qui ont des difficultés à s'orienter ou apporter une orientation particulière à leur vie? Absolument. C'est d'ailleurs un cas de figure que l'on rencontre régulièrement. Il m'a été donné de rencontrer des gens qui sont extrêmement talentueux, qui sont vraiment bénis, qui pétrissent de talent, bénis par le Seigneur, extrêmement compétents, mais qui sont dans une confusion totale au sujet de la direction qu'ils doivent donner à leur existence. Dans quel sens aller, comment vivre, que faire, pourquoi suis-je sur la Terre? Ce sont des questions qui reviennent souvent et qui d'ailleurs, lorsqu'elles ne sont pas résolues, mettent en danger les gens qui les posent de commettre de véritables gâchis dans leurs opportunités, dans leur destin. Et c'est une question que nous entendons et que nous traitons en enseignant les personnes qui se les posent, en traitant la question de la destinée. Parce que tout est une question, tout ce questionnement est lié à la problématique ou à la thématique du destin. Une personne qui sait ce à quoi elle est destinée ne sera pas désorientée dans la vie, elle ne sera pas confuse, mais elle saura exactement saisir les bonnes opportunités, dans quel sens aller, dans quelle direction aller, une fois qu'elle a bien intégré le principe de la destinée et qu'elle sait avec clarté quel est son destin. On parle de destin ou de destinée, mais quelle est réellement la définition du destin ou même de la destinée? De façon très simple, on pourrait dire que le destin, c'est le rêve que Dieu fait au sujet de chacun d'entre nous. Lorsqu'un parent donne naissance à un enfant, il émet des souhaits, il a des désirs en ce qui le concerne. Certains souhaitent que leur fille devienne médecin, avocate, que leur garçon devienne astronome, astronaute. Et tous ces souhaits, tous ces vœux pieux que les parents font sont issus du projet de Dieu pour nous. En vérité, ils copient ce que Dieu lui-même fait. Parce que Dieu est notre Père, lorsqu'il nous envoie sur la terre, il ne nous envoie pas par hasard, bien au contraire, il nous envoie avec un rêve, en disant « Ce fils que j'envoie ira pour trouver un vaccin qui guérira tel type de maladie. Cette fille que j'envoie sur la terre influencera positivement les gens qu'elle rencontrera. » Dieu a des souhaits, il a des rêves pour chacun d'entre nous, et ces rêves, ces souhaits s'appellent la destinée ou le destin. La Bible en parle, elle parle plus particulièrement de prédestination, et c'est un terme qui est issu du grec proriso, qui signifie décider d'avance. Mais laissez-moi vous lire un texte qui fixe les choses dont nous parlons. Romains 29, 30 dit en effet, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » C'est très fort, ce texte, parce qu'il montre que pour expérimenter la gloire de Dieu, pour vivre la gloire de Dieu, il faut avoir conscience de ce que Dieu nous a prédestiné à la vivre. Si je ne sais pas ce à quoi Dieu me destine, je ne peux pas expérimenter la gloire qui est liée à ce destin que Dieu a tracé pour moi. Éphésiens 2:10 rebondit en disant « Car nous sommes son ouvrage,
ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En lisant ces textes, on peut être quelque peu attristé ou intrigué de voir autant de gens qui vivent leur vie aujourd'hui sans connaître vraiment le bonheur et qui se demandent chaque matin qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie. Ce n'est pas tellement à nous de nous poser cette question parce que Dieu a déjà préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Et laissez-moi vous dire ceci, les projets de Dieu pour vous sont les meilleurs qui puissent exister. Il y a un autre élément qu'il nous faut prendre en considération lorsque nous parlons du destin, qui montre combien c'est important pour notre société. Aujourd'hui, lorsqu'on compare la France à tous les pays d'Europe, la France est le pays où les gens attestent être le moins heureux au travail. On compte environ 8 millions d'actifs en France qui sont attristés, qui sont régulièrement frustrés et qui affirment qu'ils ne sont pas heureux du travail qu'ils accomplissent. Et l'une des raisons pour lesquelles ce chiffre est si important, c'est que les gens travaillent, mais ils ont l'impression de ne pas être là où ils devraient être, de ne pas travailler à ce à quoi ils sont appelés, à ce à quoi ils sont doués. Ça montre combien c'est important aujourd'hui pour les gens de comprendre le concept du destin et de chercher à savoir exactement ce à quoi Dieu les a appelés, parce que quelqu'un a dit que si vous choisissez un travail que vous aimez, vous n'aurez jamais à travailler de votre vie. Effectivement, si le destin est lié au bonheur, que dire de ces personnes qui sont pourtant en relation avec Dieu, qui sont chrétiens, qui sont épanouis dans leur foi, mais qui restent malheureux? Faut-il dire que ces personnes-là n'ont pas encore connu leur destinée ou simplement qu'ils sont en dehors de leur destinée? C'est une raison qui peut expliquer. Le fait que vous soyez en dehors du projet de Dieu pour vous fait que vous ne pouvez pas être heureux. Vous pouvez avoir tout l'or du monde, vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais si vous n'êtes pas à la place à laquelle Dieu vous a appelé, vous ne pourrez pas connaître le bonheur. Votre épanouissement sur la terre, dans cette vie, est lié au fait que vous soyez focalisé sur l'objectif que Dieu vous a donné. On ne se réjouit pas lorsqu'on part en vacances de s'arrêter sur une aire d'autoroute. On se réjouit lorsqu'on est arrivé à destination. Et il y a trop de gens aujourd'hui qui conduisent la bonne voiture, qui ont la bonne allure sur l'autoroute, mais qui vont s'arrêter sur une aire et donc qui vont perdre du temps dans leur vie. Et même si on peut pique-niquer un temps sur une aire d'autoroute, être sur une aire d'autoroute, c'est jamais être vraiment dans la destination de ses vacances. Donc on a beaucoup de gens qui sont malheureux parce que ils ont des choses qui sont admirables, qui sont enviables par d'autres, mais ils ne sont pas à l'endroit que Dieu a prévu pour eux. Ça, c'est la première catégorie de personnes. Et je prie pour que ces gens puissent enfin avoir accès à leur destin, comprendre qu'ils ne sont pas venus sur la terre par accident, par hasard, pour accompagner les autres, mais qu'ils se battent vraiment pour rentrer pleinement dans leur destinée, parce que leur bonheur est lié à cela. Mais il y a une deuxième catégorie, Karen, de personnes que nous devons aider ce soir. Les gens ne passent pas forcément à côté de 100% de leur destin. Mais ils n'ont pas toujours la compréhension de ce que le destin est lié à l'épanouissement des trois dimensions de l'être humain. Et je m'explique. Nous devons garder à l'esprit qu'en tant qu'être humain, nous sommes un esprit qui possède une âme qui habite dans un corps. Si vous réjouissez votre corps, mais que votre âme et votre esprit sont attristés, vous ne pouvez pas être heureux. Si vous réjouissez votre âme, mais que votre corps est malade, vous ne pouvez pas pleinement être heureux. Si vous réjouissez votre esprit, mais que votre âme et votre corps ne sont pas réjouis, vous ne pouvez pas expérimenter un bonheur total. On constate donc qu'il y a des gens qui peuvent être heureux dans une portion de leur être, mais cette joie est toujours teintée de tristesse, toujours teintée d'amertume, parce que toutes les dimensions de leur être ne sont pas satisfaites. La destinée, avec grand D, se décompose donc en trois petites destinées. C'est ce que j'appelle la destinée tridimensionnelle. Il y a une destinée pour notre âme, pour notre corps, et une destinée pour notre esprit. Quelles sont ces différentes destinées que nous devons accomplir? D'ailleurs, le psalmiste, en parlant de cela, dit à l'Éternel, « Mes destinées sont dans ta main. » Votre corps est l'acte légal de possession que vous avez sur la terre. Dieu dit à Josué, « Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession. »
C'est très fort, parce que ça signifie que si Josué n'avait pas de pied, Josué ne pouvait rien posséder. Ce qui donne l'autorité à un être humain de posséder la terre, c'est le corps qu'il a. C'est la raison pour laquelle les esprits démoniaques se battent et luttent pour posséder les corps des êtres humains, parce que de cette manière, ils peuvent affecter la terre qui leur appartient. Souvenez-vous que la Bible dit que les cieux sont à l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est pour cette raison aussi que lorsque Dieu lui-même a voulu venir pour changer radicalement le destin de l'humanité, il n'a pas pu le faire autrement qu'en passant par un corps. L'ange a rencontré la Vierge et lui a dit « Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu seras enceinte par la vertu du Saint-Esprit. » C'est de cette manière que Jésus le Christ est venu sur la terre et qu'il a pu changer radicalement l'histoire de l'humanité. Un corps est donc essentiel et cela nous renseigne sur la destinée du corps. Le corps, c'est notre acte légal de possession. C'est la destinée de votre corps de posséder des maisons, des voitures, des entreprises. C'est la destinée du corps que l'on accomplit lorsqu'on fait des études, lorsqu'on est diplômé, lorsqu'on a une carrière professionnelle enviable, lorsqu'on gagne de l'argent. Ce n'est pas anti-biblique, ce n'est pas contre Dieu, bien au contraire, votre corps a pour destin de posséder. Et donc, lorsqu'on accomplit ce destin-là, il y a une portion de notre être entier qui se réjouit. Seulement, nous ne nous résumons pas uniquement à notre corps, nous avons aussi une âme. C'est pour cette raison que quelqu'un peut avoir tout l'argent du monde, tout l'or du monde, mais être profondément attristé parce que dans son âme, il y a un besoin, il y a un vide qui n'est pas comblé, il y a des émotions qu'il n'arrive pas ou qu'elle n'arrive pas à maîtriser et à gérer. Et voilà pourquoi on peut voir des gens qui sont très riches, mais qui sont également très malheureux. Et ça pose la question de savoir quel est le destin de l'âme. La destinée de votre âme, c'est de cultiver le caractère de Christ. Il y a dans notre âme, à cause du parcours que nous avons eu, un certain nombre d'émotions, de sentiments qui n'ont rien à faire à l'intérieur de nous. La méchanceté, la haine, la colère, la rancune, l'amertume, l'hypocrisie, toutes ces choses qui salissent notre âme, nous avons pour responsabilité de les extirper de nous. En méditant régulièrement la parole de Dieu, en choisissant de l'appliquer, de la rendre pratique dans notre quotidien, nous cultivons dans notre cœur les émotions qui sont causées par le Saint-Esprit et nous cultivons des traits de caractère qui ressemblent davantage à Christ. La destinée de votre âme, c'est qu'elle ressemble davantage au caractère de Jésus. De sorte que lorsque nous serons en face de Dieu, nous pourrons la lui présenter en disant « Voici mon âme, j'ai travaillé, je me suis fait violence, j'ai médité ta parole, je l'ai mise en pratique, de sorte que mon âme aujourd'hui puisse être présentée comme un joyau. » La destinée de notre âme, une fois qu'elle est accomplie, nous remplit aussi de joie. Mais nous ne pouvons pas dire que nous avons pleinement accompli notre destinée si notre âme et notre corps sont les seules entités dont nous prenons soin. J'ai gardé le meilleur pour la fin, nous sommes avant tout des esprits. Et donc, si nous n'accomplissons pas la destinée de notre esprit, nous ne pouvons pas être pleinement heureux. On parle tout le temps de carrière professionnelle, mais l'apôtre Paul, à un moment donné, va dire « Rejetons donc le péché qui nous enveloppe si facilement et courons dans la belle, dans la grande carrière qui nous est offerte. » De quelle carrière il parle ici? Non pas d'une carrière professionnelle, mais il parle ici de notre carrière spirituelle. Ça veut dire qu'en tant qu'être humain, notre esprit a un destin et nous devons nous battre pour emmener notre esprit à accomplir ce destin. Quel est-il? C'est de ressembler davantage à Dieu. Notre esprit doit devenir la régie qui contrôle tout notre être, de sorte que, comme l'apôtre Paul le dit, nous sachions marcher par l'esprit et non pas par la chair. Cela est rendu possible lorsque nous fortifions notre esprit, que notre homme intérieur s'augmente, se développe à l'écoute de la parole de Dieu, par la communion avec lui, par une vie de prière abondante, nous devons avoir pour objectif d'être de meilleurs chrétiens jour après jour. Même quelqu'un qui a rencontré Christ, dont l'esprit a été régénéré, qui resterait en stagnation dans sa vie chrétienne pendant plusieurs années, ne pourrait pas dire qu'il est en train d'accomplir le destin de son esprit.
Il y a des gens, malheureusement, dans nos assemblées, et peut-être que vous en avez rencontré, qui sont en stagnation totale pendant plusieurs années. Aucune évolution. Ils n'arrivaient pas à conduire une réunion de prière il y a 5 ans. N'attendaient pas qu'ils réussissent à le faire 5 ans après. Au niveau de leur vie de prière, c'est exactement la même situation dans laquelle ils sont. Ils connaissent le même nombre de versets bibliques, ça fait 10 ans qu'ils sont chrétiens. Non, notre esprit a un objectif. Nous devons développer notre homme intérieur, nous devons développer notre esprit. C'est cela qu'on appelle la destinée tridimensionnelle. Et c'est à cette condition que nous pouvons vraiment être épanouis sur la terre, que nous pouvons être vraiment heureux. Lorsque spirituellement, nous développons correctement, lorsqu'au niveau de notre âme, nous tendons vers ce qu'on appelle la maîtrise de soi, et lorsqu'au niveau de notre corps, nous possédons. Et il faut le préciser, lorsque spirituellement vous êtes au point, qu'émotionnellement ça va bien, si dans votre corps vous êtes malade, vous aurez quand même du mal à être pleinement heureux. Ou si dans votre corps, vous manquez de tout, vous n'avez pas de quoi vous nourrir, vous allez quand même avoir du mal à être totalement heureux. Le plan de Dieu, en ce qui concerne l'être humain, c'est qu'il accomplisse la destinée pour laquelle il a été façonné, designé, créé. Et si vous choisissez aujourd'hui de questionner Dieu au sujet de votre destin et que vous vous battez pour l'accomplir pleinement, je peux vous garantir que la joie que vous expérimenterez, vous ne l'aurez jamais expérimentée auparavant. Merci Pasteur Gilles pour ces éléments de réponse. Et si on en parlait est à présent terminé. Nous avons terminé notre temps d'échange du jour. Mais je nous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro où nous continuerons d'aborder ce thème qu'est la destinée. Alors, restez câblés et je vous dis à la semaine prochaine.